Du har la conférence de presse, il se trouve un individu qui a posé une question au gouverneur Scott concernant la matière que comment peut-on réaliser pour aider à faire baisser le coût de l'essence pour les résidents dans l'État de Vermont des États-Unis comme il s'est élevé. En parlant de cette matière, d'après les paroles du gouverneur Scott, on me dit que c'est un problème national qui s'est manifesté à l'échelon national dans la nation des États-Unis en général. Bien qu'on puisse mettre fin à l'impôt imposé sur l'essence temporairement pour les résidents dans l'État de Vermont des États-Unis, cela ne vaut pas la peine car cela serait un petit abaissement dans le coût pour l'essence que l'on pourrait fixer si l'on le faisait, c'est-à-dire 28 cents aux États-Unis. Le mot cent indique la monnaie utilisée aux États-Unis, c'est-à-dire si l'on parle de l'équivalent, on dirait que quelques sous français. Mais l'État de Vermont des États-Unis voudrait utiliser le budget pour les autres matières qui sont plus nécessaires.